La cérémonie de remise de médailles au contingent rwandais de la MINUSCA a eu lieu le vendredi 1er avril en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kulitji. Toute la composante police vous félicite pour le travail accompli avec abnégation dans le cadre de notre mandat et dans le respect des valeurs des Nations Unies. Je vous félicite également pour la discipline de très haut niveau que vous avez toujours eu et votre disponibilité entière au travail. Soyez fiers de recevoir cette distinction et faites en sorte de maintenir la confiance placée en vous tout en redoublant d'efforts pour la période qui reste. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kulitji, a saisi cette occasion pour féliciter les médaillés et leur a souhaité plein succès dans la suite de leur mission. Chers collègues, grâce à votre inlassable engagement dans des conditions parfois périlleuses, vous avez chacun d'entre vous apporté votre contribution, celle d'arrimer un peu plus chaque jour la Centrafrique sur le chemin de la paix et la réconciliation. Grâce à vous, des enfants, des femmes et des hommes ont pu renouer avec leurs rêves et leurs aspirations communes, notamment celle de vivre à terme dans un pays totalement pacifié. Alors que vous avez apprêté à quitter la Centrafrique, que tous mes vœux de santé et de succès vous accompagnent dans vos nouvelles affectations. Cette cérémonie de remise de médailles s'est déroulée en présence du commandant de la force de la MINUSCA, général Daniel Sidiki Traoré, et du représentant du directeur général de la police centrafricaine. Rappelant que le contingent rwandais de la MINUSCA assure depuis son arrivée la protection des civils dans le cadre du mandat des Nations Unies, également la protection des magistrats de la Cour pénale spéciale. Les éléments d'appui à la protection fournissent des éléments de protection rapprochés au profit de plusieurs personnalités tant centrafricaines qu'au sein de la MINUSCA.